Bonsoir. En fait, je voulais dire que c'est vraiment puissant. J'ai l'impression que les écailles de mes yeux tombent. C'est très édifiant et je bénis le nom du Seigneur parce qu'on n'a jamais entendu cet enseignement-là nulle part. Et c'est vraiment la révélation de Dieu, la révélation de Christ, de savoir quel Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est vraiment le Christ, le chemin, la vie, la vérité. C'est, y a pas de mots. Je suis dépassée. C'est bon, en tout cas, c'est très, très bon. Je bénis le Seigneur pour cette nourriture. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez écouté ce soir? C'est énorme, quoi. Je suis allé au nord, au sud, je suis allé dans pas mal d'assemblées. J'ai suivi des cours bibliques, mais j'avais jamais entendu une telle vérité. Et franchement, je suis béni, je suis comblé. C'est vraiment gigantesque de voir comment le Seigneur enseigne son peuple. Et c'est magnifique. La Bible dit que la révélation de la parole est claire et je sors d'ici, mais éclairé et même délivré et avec beaucoup d'assurance aussi, quoi. Merci pour vos réponses. Bonne soirée. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce que c'est ce que je cherche depuis toujours. Entendre parler de lui, m'approcher de lui, que sa parole me touche. Et je vois, quand je priais, je demandais qu'il fasse tomber les écailles de mes yeux. Et là, je vois les écailles qui tombent de mes yeux. Là, je tremble. Sa parole est tellement puissante. Quand on dit que sa parole est tranchante, et je sens ce tranchant en moi, qui sépare vraiment les choses, qui me le révèle. Et je me sens tellement petite, je me sens tellement rien. Je sens tellement le besoin de le connaître. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de sa parole. Et là, elle est libérée. Simplement, sans prétention. Il est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, je bénis le Seigneur qui m'a conduit ici. Voilà. Merci. Soyez bénie, ma sœur. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Merci. Donc, comment s'est passée cette soirée d'enseignement? Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots par rapport à ce que tu as reçu ce soir? D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Guylaine. Vraiment, j'ai vraiment été vraiment ravi d'être encore là en cette soirée. Et vraiment bénissant la soirée, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas couru les assemblées, mais ce qui a été dit aujourd'hui, ou bien ce qui est dit depuis quelques temps, moi, je n'ai pas compris les choses comme ça. Et du coup, ça me donne de réaliser la grâce que j'ai reçue de pouvoir connaître ce Dieu-là qui est Jésus-Christ, en fait, qui a tout accompli avant que voilà, je ne sois créé, qui a tout accompli avant la fondation du monde, en fait, quoi. Et ça me rassure dans le sens où, malgré les situations qui pourraient m'arriver, qui m'arrive en ce moment, je sais qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout, en fait, et que je peux marcher avec assurance, avec fermeté, parce que je sais que ce Dieu-là a tout accompli, en fait, sur la croix, avant que je ne sois dans ce monde, en fait, quoi. Donc, vraiment, vraiment bénissant les enseignements, et vraiment que Dieu soit encore béni pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui sera encore dit. Voilà. Okay. Merci pour tes réponses. Bonne soirée. Merci, chers auditeurs de Radio de Vie et spectateurs de Télé de Vie. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Donc, nous sommes au deuxième jour de la session qui parlait de la prophétie biblique. Donc, cette session, finalement, s'appelle Jésus-Christ à travers les âges. Et nous sommes encore là demain soir à partir de 19h pour la suite des enseignements. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez reçu également chez vous cette parole qui a pu vous libérer comme nous l'avons été ici. Soyez bénis au nom de Jésus et bonne soirée.